Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. Parce que ce gang qui n'a tabac, qui n'a pas de bouquin, il y a un projet pour le démanteler. Mais une information que nous gagnons, nous apprenons tout que la police déterminé pour le comment les capables frapper gang et quoi de bouquet parce que là en pile transport quand ça dit c'est domaine en parangène quand ça dit c'est domaine comment c'est gâté sous gantier ça a dit nous ouais en pile intérêt là c'est qu'on a compris pour qui ça la police va d'emblée des gangs en parlant des matissants bisatnais et ça va pour que vous même parce qu'il top intérêt nous ouais comment et bien il nous a dit comment vous pouvez frapper gang ça a dit nous ouais j'ai ma pire gang en dépit mais la police nous est, c'est quoi les bouquets et puis qu'on zone nous est pas jamais, on a questionné cette personne. Là nous venons apprendre ça, c'est parce que nous connaissons la Saint-Domingue, en pile manger, en pile bagage comme ça de Saint-Domingue, avec un pile nez, qui est voir comme là, et ils ont obligé à faire pression sur Léon et sur Ariel Henry, et puis Ponce LB, et bien nous est, nous déterminer là pour frapper, quand ça se met aux ordres, parce que pour le moment là, en pile nez qui est commerce Saint-Domingue, en pile les qui vont bisser demain quand vous êtes en Haïti, et bien nous avons posé comment c'est gâté là, tout gâté là, et en pile fait, comment les fêtes là, ils ont commencé à frapper net à ce moment là, et là on continue, nous avons demandé si c'est intérêt tout, car pour ce qui est intérêt de l'Ontude là, est-ce que gang et bisser, est-ce que gang qui a pas de matisse là, est-ce que gang qui a pas de grand avion, est-ce que gang qui a pas de tibois, est-ce que pas la police de Haïti même? Et bien là encore, nous est la police qui est déterminée pour quoi faire gang de Samarosa, mais nous disons quoi, par exemple, par rapport avec un pile produit qui a gaspillé sous Gantia dans ce domaine, et bien nous est bourgeoisie en fait fête, yo, décrété la permanence, et nous est, il y a un pile pression avec Ponce LB avec Ariel Henry. Et Jimmy Map, et pendant ça, avant nous retrouver nous chez Massa, nous tous chez Massa, nous tous chez Massa, nous avons une vidéo. Nous apprenons tout dans la question de base, toujours basé à ce marozo, une autre tête de fond. Je me suis dit dans le monde 100 jours, dans Rémi, pour aller bouger en film qui est sur ce channel-là, nous avons besoin de ma parler. Albert, qui est chef Rémi, à peine pour une tête ligne, c'est l'information que nous avons après le film sur madame. Toujours allez bien, dans Rémi, et nous connaissons vous représentons dans le monde 100 jours, dans Rémi, pour aller bouger, Albert, qui est chef Rémi, qui est à peine pour une tête ligne, après le film sur madame. C'est là toute information que nous avons fait, nous avons dit, là, il va arrêter. Là, il va le coup de balle. Oui, et bien nous avons fait un contact qui commence à se faire avec ça a vraiment compliqué. On dit, non, quoi. Et bon, si on a, parce que bon, si on a, quoi, le point, pas quoi, le point, ça a compliqué dans mon appareil. Mais tu me connais, le plus souvent, il n'y a pas à KB. Bandit, le plus souvent, il n'y a pas. Et on compte ça. Mais ça fait même dernièrement la tour et la finale l'ambo son son et la base et quand j'ai dit mais tout ça c'est du nage dans ce chef photo yo pas qu'à jouer du mais c'est le moment que nous gagnons chef premier qui était Albert qui est arrivé et nous avons dit sur cette liste pendant quelques minutes sur madame Lee elle a vraiment compliqué pour monsieur mais ça arrivé je dis à là nous avons dit non Rémi quoi des bouquets non Rémi non quoi des bouquets dit non Rémi non quoi des bouquets ça arrivé. Et en plus, nous connaissons Rémiens, nous sommes quoi des bouquets. Albert, qui est chef Rémiens, nous connaissons, et qui fait partie de base de Marozo. Nous connaissons une zone dans quoi des bouquets. Et bien, M. Arrivé Pontetli, après venir sur Madame Lindsay. Albert, qui est chef Rémiens, et bien, M. Arrivé Pontetli, je date. C'est le journal Miami Herald écrit, et suite avec une interview, le Premier ministre a accordé. Côté, il dit en résumé, et que les prêts pour voyer aux États-Unis tout le monde qui arrêté qui impliqué dans quatre dossiers ça et le mandé à Badjo pour rendre tête li ou bien l'état doué rendre tête li. Effectivement, son nouvelle qui circulait pendant tout le week-end sur les réseaux sociaux, il y a pile monde qui était déjà au courant de ça et il y a des monde qui était même étonné par rapport à la nouvelle ça, mais oui, justement, Premier ministre Ariel Henry, dans le cadre d'une interview exclusive li by Miami Herald, il y a une interview qui paraît dans un article qui sortit un samedi passé, Ariel Henry, effectivement, il déclarait
que li prêt pour li livrer certains Américains d'origine haïtienne, Colombiens et l'autre monde qui suspecte qui était collaboré avec Société Sécurité, ça n'a pas rappelé qui est le CTU, qui est basé dans l'État Floride, qui est contribué dans recruter et commando colombien Sayo pour rentrer en Haïti et qui était pénétré par le président Pèlerin 5 et contribué dans assassinat ancien président. Ariel Henry dit li pote support avec toute action que l'autorité américaine yo a fait dans quatre dossiers ça. Il dit Jean Souk mentionné là, si États-Unis mandé ça, li prêt pour le bail toute coopération, toute collaboration en façon pour capable faire enquête là, lui-même lui avancé. Neurochirurgien, lui te profité pendant l'interview, ça a démenti information qui t'a fait quoi que lui impliqué dans l'assassinat ancien président et que la protégé suspecté que tout le monde connaît qui est Joseph Félix Badiou qui actuellement est en cavale et selon plusieurs médias américains, Joseph Félix Badiou, particulièrement CNN, est toujours en Haïti. Et Ariel Henry a tout profité, dit que Badiou lui-même, ça qu'on est de lui, c'est que lui a travaillé dans le domaine de renseignement. Il dit c'était pour le ministère de la Justice et division anticorruption, gouvernement haïtien, et lui a travaillé. Et Ariel Henry lui dit que pendant l'interview, ça l'a profité faire une annonce publique pour lui dire Joseph Félix Badiou pour lui renier par la police, ça qui pral permettre de gagner la vérité qui sortit ce dossier. Et Ariel Henry, c'est comme quoi c'est une annonce officielle que le fait. Il parlait avec Joseph Félix Badiou pour le dire, run tête li, de façon pour dossier lui-même li capable d'avancer. Alors on dit que sous question ça, et Ariel Henry il dit que lui-même, Joseph Félix Badiou, c'est un monde que n'a pas eu aucun contact avec depuis l'Ina Maouan. Il dit que la dernière fois qu'elle était parlé ensemble avec elle, c'était 5 juillet 2021, soit environ il y a deux jours de l'assassinat de Jovenel Moïse. Là, il dit que l'ITPA a parlé avec la zone 5 juillet, le que il était suggéré Joseph Félix Badiou pour le rentrer en contact avec elle parce que il était dit que Badiou c'est un expert dans la question de renseignement et il était voulu bah, conseil avec le gouvernement, il était gagné un nouveau cabinet ministériel qui t'a pris à monter. Alors il a dit dans l'interview ça que c'est pas un monde que lui gain relation continue avec elle, j'avais dit son monde était continué par avec elle. Il dit il pas contre côté la vive et il dit actuellement là il pas contre côté lié, mais sauf que il conseillé Joseph Félix Badiou et même annoncé même Joseph Félix Badiou t'a doué rien tête li par la police en façon pour capable permettre que le dossier a lui-même y avancer. Est-ce que déclaration ça sous Jean l'annoncé Félix Badiou t'a doué rien tête li pas trahi ça l'a dit on monde que le pas gain contact avec lui et puis il est certain que le gain pour le rendre tête li c'est pas mandé mais gain pression sur lui déclaration c'est comme il est certain sous sa dia. En plus, monde déjà relevé de contradiction dans la déclaration ça que le premier ministre Ariel Henry fait dans l'interview ça et Lili by Miami Herald et même Miami Herald m'a posé des questions et par rapport avec annonce le premier ministre Ariel Henry lui montrer que il a une série de pouvoirs et des bagages que le café et gain Jean le café il bouge. Donc on dit que Miami Herald lui-même qui sorti article là il écrit que c'est une sortie qui pourrait provoquer un pile débat et justement c'est un article qui provoquait un pile réaction sur les réseaux sociaux. Un pile mon a estimé que si le premier ministre a annoncé que Joseph Félix Badiou pourrait rendre tête, est-ce que ça t'a dit tout que le premier ministre connaît côté Joseph Félix Badiou lui-même lié. Donc c'est un bagage qui provoquait un pile question, mais faut bien dire que c'est pas. Est-ce que c'est ça les dit ou bien est-ce que le dit les droits rendre tête li ou bien les pral rendre tête li et qui ça article dit clairement les mêmes alors sous point ça faut me dire que
même entre journalistes des médias qui a publié article ça, tu gagnes en pile échange. Pour qu'on ait, est-ce que c'est un bail pour le ministre lui-même lui annoncé, est-ce que son bail que vous souhaitez, ou bien est-ce que son bail que vous connaissez qui va arriver. Moi-même, moi toujours prends le soin de gagner antique ça qui sorti, et surtout qu'on est, c'est en anglais, il faut prendre le soin pour traduction à faire, surtout en créole, il n'est pas trahi version originale là qui est en anglais. Moi, toujours prends le soin de citation, mon dit parole la bouche lui-même, je mettais entre guillemets, moi prends le soin pour me répéter même ça, mon dit. Parole au Premier ministre Ariel Henry. Il dit que moi, je voulais faire une annonce publique pour dire Joseph Félix Badiou a pris une tête par la police et laisse ça n'a gagné toute la vérité. C'est ça, le Premier ministre Ariel Henry dit. Et parole ça lit entre guillemets dans l'article là. Okay. Et puis devant, il dit que pour question de la justice là, n'a a fait ça, Joseph Félix Badiou doué. Ren tête lui-même, c'est comme ça pour le ministre conclut sur parti ça. Donc de façon pour dire que nous virons phrase là, nous tournons et nous essayons de garder sens li. N'importe qui on vire, c'est même bagarre à la pied. Son annonce que le Premier ministre en fait, il dit que Badiou doit rendre tête lui-même. Donc, pas de amalgame, pas de confusion là-dedans. Jean Mouniotan de là, c'est comme ça, moins ouel, c'est comme ça plusieurs moun ouel tout, dans l'article là. Peut-être qu'il y a un monde qui a étonné, le haute ouel, mais le gars de la traduction, virel tout l'air, n'importe qui ou virel, c'est toujours même parole là, c'est un annonce que le Premier ministre fait, et il fait connaître que Badiou t'a loué dans tête lui-même. Et là, nous avons l'impression que l'État a parlé à l'Américain dans un journal américain, puisque d'ici les États-Unis demandent ça, l'avoué Bali pour aller répondre accusation, il y a des sous-doués. Là, il a parlé de Haïtiano, Américain, Colombien et l'autre suspect qui était collaboré à compagnie sécurité qui basait à Miami. Mais sous place, en Haïti, côté enquête là, a marqué par sous place, qui ça le dit, qui engagement le prend pour permettre que l'enquête soit capable avancer en Haïti même. Alors, allô? Oui. Oui, alors, et pour la carte d'interview, ça, et pour le bagage, pour le ministre, en fait, c'est que niveau est jeté toute accusation qui pesait sous dol comme quoi il participait ou bien il contribuait dans le complot. Ça, pour le ministre, l'idée, dans le commencement d'interview, elle dit que il n'y a pas de connaît et les bagages arrivés là. Il dit que et s'il te connaît, il t'a peut-être dit président. Que bon complot qu'a fait pour assassiner. Il dit pour lui-même, et ça qui est important, c'est que c'est arrêter, mettre les mains sur tout le monde qui est impliqué dans le cas de fait ça. Il dit que il parlait avec un instigateur complot, ça qui c'est Joseph Félix Badiou. Il dit que il pas songé le parler avec elle. Mais Ariel Henry, des fois, il y a des paroles qui ont été gens et département et dans même et interview ça il dit même si il t'a parlé avec Joseph Félix Badiou et c'est pas bagarre important que il t'ait parlé ensemble avec elle et donc il dit que dans interview ça il voulait que justice vienne avec ancien président et Jovenel Moïse et il dit que pour qu'on y a là quitter le soin à ministère de la justice et la police pour continuer mener enquête là, de façon pour capable de mettre en colère tout le monde qui participait dans le complot. Ça, il réitère l'engagement comme Premier ministre pour lui faire tout ça, lui connaît, pour que ça lui-même soit capable d'avancer, même si que lui-même lui gagne non qui a cité. Mais il faut sous question et livrer le monde aux États-Unis. Et dans l'article, nous sommes capables d'entre le Premier ministre.
et ministre de justice là gagner un certain désaccord parce que le premier ministre bon côté pas dit il est prêt pour les livrer américains colombiens tout le monde qui suspecte dans le dossier là, mais bon côté ministre de justice là et Berto Dorsey il pas montré que gagner volonté pour t'envoyer dossier ça et la justice américaine et Miami lui-même mentionné ça et Joseph Berto Dorsey n'a qu'à dire ça Miami fait connait que Berto Dorsey t'a souhaité que affaire là il traité en Haïti et jugement il fait en Haïti. Ariel Henry dans article ça il dit que il croit dans le ministère de la justice qui a fait un travail mais il dit il estime que capable d'une certaine faiblesse et c'est peut-être alimenter aide gouvernement américain et lui-même dit il prévoit mander aide bon côté 15 membres dans la communauté caraïbe qui c'est CARICOM et Haïti membre la donne pour capable porter un élément indépendant dans le cadre d'enquête ça que selon Ariel Henry capable et fait processus là il avance plus bien mais tout avec un peu d'expertise. Moi je m'attendais puisque la justice américaine prend dossier en main qui ça qui arrivait qui ça fait avec City jusqu'à présent c'est une question pile mon appel une question pile mon appel posé et dans pile article qui a sorti on peut attendre gain soit une information qui sorti sur site journaliste pas intéressé à ça journal américain qui a écrit qui a pris interview il pas jamais intéressé à ça à connaître ça jusqu'à alors au début et d'accord, dit quelques mois, deux à trois mois après l'assassinat, t'es gagné des tentatives qui t'es faites pour te parler avec responsable compagnie, ça, mais qui pas te répondre. Faut me dire que moi-même, tout moi, t'es fait quelques tentatives. Premièrement, le réflexe, ça, c'est aller sur site internet là, checker information. Si tu as un numéro de téléphone qui, jusqu'à présent, l'oreille et le packaging, c'est un message vocal. Moi, après, moi, t'es fait une tentative. Pour moi, t'es jeune compagnie, je t'ai dit quitter message, je t'ai quitté message, je t'ai même écrit un email avec un responsable d'un compagnie, jusqu'à présent, son email qui était sans réponse. Compagnie, si tu trouvais une zone qui est Doral, dans Florida, alors, fin de compagnie, elle n'est pas exactement dans Miami, dans une zone qui est Doral, dans l'État Floride. Compagnie, ça, est-ce que l'ouvre, est-ce que l'y ferme, est-ce que l'autorité américaine lui mettait scellé sous lui, est-ce que l'on continue à fonctionner, même j'en s'attendais avant, nous pas gagné un détail. Mais, j'en dis à, médias américains, dans tout article qui a sorti, pas vraiment gagné rien qui dit de City. Maintenant, article Miami, là, il a juste mentionné, que Ariel Henry dit que lui est prêt pour lui livrer tout le monde qui était collaboré avec compagnie ça. Maintenant, il était pour nous regarder, premièrement, qui sa compagnie ça a réglé, on t'y visite sur place, t'as qu'à très intéressant pour regarder, mais tout et côté responsable et compagnie ça. Est-ce qu'il y a des poursuites qui fait d'elle, même j'en l'ai fait pour l'autre monde qui était entre guillemets et recruté pour et participer dans l'opération ça. Ce sont des questions qui toujours été pas d'autres guerriers, bon c'est bien honnête. Mais est-ce que parce que on a qui dit non, article, il parlait de CTO, il présentait Solage comme co-comploteur, qui s'est représentant CTO quelque part. Alors, en dans l'article là, il parlait de Solage comme un monde qui lui-même était collaboré ou bien c'était un monde qui était en contact direct avec les compagnies CTO. C'était un monde qui était en charge dans la question recrutement. Mais en dans l'article là, il n'est pas vraiment rentré dans cause, comme si pour t'agader. Et d'accord, dit degré de responsabilité, monde qui est responsable et compagnie. Au bien plus, à faire référence avec monde qui a arrêté ou là, qui c'est des suspects qui étaient collaborés avec CTU, mais pas vraiment à le questionner responsable en lui-même. Donc effectivement, l'article, ça a juste mentionné les questions CTU, mais on pas aller vraiment en profondeur, j'en ai dit tout à l'heure.
Eh bien, merci un peu, Alexandre Sévène. Merci un peu, Bob, c'est Pierre Renel. Merci tout le monde.